Alors on est tous tombés dans ce piège de se dire que cette nouvelle pièce d'équipement allait être réellement la clé pour nous de créer les films qu'on veut. On a tous pris notre carte de crédit pour justement l'acheter, mais au final, on n'en a pas la réelle utilité qu'on pensait que cet élément allait avoir. Et bien aujourd'hui, je vous partage mes petits regrets matériels. Bien que chacun, je continue de m'en servir, mais c'est juste que j'en ai pas l'utilité que je pensais en avoir. On commence avec la GoPro. J'avais choisi à l'époque la GoPro Hero 9 parce que c'était la dernière qui était sortie. Quelques temps après, il y a eu la GoPro Hero 10 et maintenant je crois qu'on est même rendu à la 11 voire la 12. Je sais pas, j'ai pas suivi le dossier. Mais attention, je préfère juste faire un petit disclaimer. À aucun moment donné, je dis que le matériel que je vais présenter dans cette vidéo n'est pas bon. C'est pas de par la qualité que je ne m'en sers pas, c'est juste que ce sont des produits très nichés. Au final, j'en ai peut-être un peu moins l'utilité. La GoPro fait partie de cette catégorie là de produits très nichés parce que on reconnaît très vite une shot de GoPro au même titre que maintenant on reconnaît très vite des shots de caméra 360 degrés. La GoPro, ça rentre là-dedans. Je pense très honnêtement que je m'en suis plus servi pour YouTube que pour des projets pro, parce qu'à la base je voulais l'acheter pour justement essayer d'avoir une autre perspective quand je faisais mes films de ski. Sauf que on est maintenant 3 ans plus tard et j'ai toujours pas fini mon premier film de ski. Il est toujours pas sorti, il ne sortira peut-être jamais, il faudrait que j'en relance un autre. Mais la GoPro, elle, a très gentiment pris la poussière. Et donc de pas m'en servir, je trouve ça quand même un petit peu dommage. Surtout qu'elle m'a quand même coûté, je pense à l'époque, 800$. C'est beaucoup d'argent que j'aurais pu investir autrement dans autre chose. Rétrospectivement, je pense que c'est juste une habitude à prendre que cette caméra-là, que je prenne l'habitude de la rentrer dans mon workflow créatif. De plus en plus, je suis un fervent défenseur, entre guillemets, de tourner tout à une caméra, pas utiliser technologie autre qui pourrait potentiellement ne pas amener de réelle plus-value à l'histoire. Je privilégie dans mes documentaires vraiment l'histoire d'avoir 40 000 différents types de caméras qui permettent 40 000 différentes possibilités de filmer la scène. Sauf que je pars du principe qu'il n'y a rien de mieux qu'une bonne caméra portée. Je ne suis pas fermé à l'idée de m'en servir aussi pour un aspect perso, parce que c'est tout petit, c'est très simple d'utilisation, juste à appuyer, puis ça marche. Enfin bref, la GoPro Hero 9, ça fait partie de mes petits regrets, de mes petits pincements au cœur, mais je n'ai pas dit mon dernier mot avec cette caméra, et je vais bien lui trouver une utilité dans le futur, puis je sais très bien que le jour où je vais m'en servir, elle se remboursera d'elle-même. La deuxième, c'est un drone. Alors attention, je ne vais pas dire que je ne me sers pas des drones, bien au contraire. C'est juste que j'ai besoin de vous donner un petit peu de background pour vous expliquer pourquoi je regrette d'avoir acheté le DJI Mavic Air 2. Quand j'étais sur le tournage du film Le Petit Tour de l'Est, et un matin où il faisait vraiment très froid, où normalement en tant que personne normalement constituée, tu ne sors pas, tu ne cours pas, et ben toute l'équipe du documentaire et Antonin étaient sur le pied de guerre et Antonin courait dehors. Et moi, je n'ai rien trouvé de mieux que de faire décoller le drone par moins 53 parce que c'était sublime. Les rayons du soleil réchauffaient le Saint-Laurent. Le Saint-Laurent commençait à s'évaporer lentement mais sûrement. Et c'est, je pense, encore aujourd'hui, maintenant que ça fait bientôt 6 ans que je suis au Québec, je pense que c'est la journée la plus froide que je n'ai jamais vécue. Ceci étant dit, je fais décoller mon drone et il gèle dans les airs, les contrôles étaient inversés, puis j'ai tout de suite très vite perdu le contrôle du drone et il est venu s'écraser dans l'eau, et donc j'ai perdu le drone et les shots. L'aventure n'était pas finie, donc il fallait que je continue de raconter l'histoire, on était à peu près à mi-parcours, et donc de me forcer à raconter l'histoire sans utiliser un drone qui était à l'époque pour moi quelque chose d'extrêmement démocratisé dans ma pratique, je me suis rendu compte qu'en fait on était capable de raconter une histoire sans avoir forcément besoin d'un drone. Tout de suite après que l'aventure se soit finie, sans prendre le recul, j'ai acheté ce DJI Mavic Air 2, et depuis je m'en sers, oui, mais je m'en sers pas autant que je pensais. Je m'en sers quand même beaucoup plus que de la GoPro. Je vous dirais que j'ai dû faire un nombre de vols assez conséquent quand même avec ce drone, bien que à plusieurs reprises ça se soit sommé de différents problèmes parce que je m'en sers pas beaucoup, DJI me déconnecte de l'application donc il faut que je me reconnecte, enfin bref. En fait j'ai perdu l'habitude d'utiliser un drone mais au profit de l'histoire. Pour moi, si vous voulez, si jamais ça ne bénéficie pas l'histoire globale de mon film, je ne vais pas forcément y penser, ou alors j'y penserai si j'ai le temps.
et étant tout seul, j'ai rarement le temps. Par exemple, dans mon film Vite Trail que vous voyez derrière, je me suis très peu servi du drone. Et ben, rétrospectivement, je regrette pas, j'ai pas eu de moment dans le montage où j'étais comme « Ah non, j'ai vraiment pas fait de shot de drone, c'est dommage ». Oui, c'est dommage parce que ça aurait pu en fait amener autre chose, mais dans l'histoire globale, ça n'aurait pas servi à autre chose qu'une distraction, quelques plans. De par ce crash-là et de par le manque d'utilisation que j'ai de ce drone-là, j'ai vraiment appris à choisir les moments où je me sers d'un drone. Et ça, pour le coup, je pense que rétrospectivement, c'est un mal pour un bien, le crash de ce drone-là, parce qu'il m'a vraiment permis de réaliser que c'est l'histoire qui est importante et non la manière dont c'est raconté, que j'ai pas besoin de la meilleure caméra au monde, que j'ai pas besoin du meilleur drone au monde pour tout ça. Ça m'a permis de remettre l'emphase sur ce qui était réellement important, l'histoire. Ce drone m'a coûté 1 200 $ de mémoire à l'époque où je l'ai acheté, donc il y a 2 ans et demi, 3 ans bientôt. Donc c'est sûr que ça fait beaucoup, on est déjà à 2 000 $ de moins sur le compte qui aurait pu être investi vraiment ailleurs. Le dernier item est un item vraiment de niche et il y a un petit pincement au cœur relié à cet item là, c'est-à-dire que je plaçais beaucoup d'espoir dans l'achat de ce matériel là et le fait que ça n'a pas abouti réellement, cet objet là n'a pas réussi à s'intégrer vraiment là où je pensais qu'elle allait réellement s'intégrer, ça fait que j'ai une petite relation amour-haine avec ce matériel-là. Il s'agit de la 100-500 RF. Il y a un seul gros problème avec cette lentille-là, et c'est à mon avis le plus gros irritant. F4.5-7.1, c'est l'ouverture variable de cette lentille, et déjà qu'à 500 mm, on perd beaucoup de lumière, parce que pour ceux qui ne savent pas, à 16 mm f2.8, vous allez avoir beaucoup plus de lumière qu'à 200 mm f2.8. Plus tu zoomes, plus tu perds de la lumière, et là en plus, plus tu perds de la lumière, plus ton diaphragme devient se fermer jusqu'à atteindre 7.1. Bah, ça crée des irritants. Alors je m'en suis servi dans mon film Vite Trail qui arrive bientôt. J'ai beaucoup de plaisir quand je m'en sers, mais c'est devenu en fait une lentille de niche. C'est vraiment la lentille qui va me permettre d'aller chercher ce petit plan en plus, ce détail-là dans la montagne ou quelque chose, qui va vraiment me permettre de donner une petite profondeur à l'histoire. Au même titre que le drone, il faut vraiment qu'elle ait un intérêt particulier. Mais attention, là où j'ai été très étonné avec cette lentille-là, c'est de par son piqué. Agréablement surpris de son piqué parce que il est super bon, la lentille est très nette. Rétrospectivement, je l'aime beaucoup cette lentille, au même titre que la GoPro, au même titre que le drone. Je pensais réellement que cette lentille-là allait être la remplaçante de ma 70-200 que j'adore. Cette lentille m'a coûté 3 000 $ avant taxe, donc de mémoire à peu près 3 400 je crois. C'est beaucoup d'argent et c'est de loin le plus gros. Et en une lentille, on peut racheter un drone et une GoPro et il resterait de l'argent. Donc oui, je m'en sers pas autant que je voudrais. Elle m'a coûté beaucoup d'argent, mais au même titre que le drone, au même titre que la GoPro, ça reste quand même un des objets que je suis très content d'avoir parce qu'elle me permet d'aller chercher ces petits plans en plus qui en documentaire d'aventure sont vraiment super pratiques. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé un peu aller dans une rétrospective de pourquoi j'ai acheté ce matériel là, est-ce que je regrette vraiment au final. En tout cas, gardez ça en tête que vraiment si vous achetez du matériel, il faut vraiment qu'il ait une réelle plus-value et un réel intérêt pour votre prochain film, votre prochain projet. Gardez en tête que si jamais vous en servez pas, c'est un peu de l'argent foutu en l'air. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour pas manquer les vidéos qui suivent. Et moi, je vous dis, faites de bonnes photos, faites de bonnes vidéos. À la prochaine. Ciao tout le monde.